Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un bon petit haul Shein. J'ai fait quelques petits achats. Alors j'achète mes produits moi-même si jamais on se pose la question. J'ai fait quelques petites trouvailles mode ainsi que beaucoup de trouvailles accessoires et autres. Et j'aurais aimé vous les partager aujourd'hui avec un petit peu mon ressenti sur les essayages. Je vais commencer sans plus tarder par cette robe que je porte. Il faut savoir qu'en termes de mode chez Shein, je prends toujours la plus grande taille. Surtout quand il n'y a pas de stretch à l'intérieur. Donc celle-ci, il n'y avait pas de stretch dedans. Donc j'ai pris du 4X. Je fais aussi 1m55 et la robe est quand même assez courte. Je vais vous mettre des petits exemples ici. La robe est un petit peu courte. Enfin, pour moi, c'est de la bonne taille. En fait, je pensais même pas qu'elle allait m'aller jusqu'à ce que je rentre mini-front à l'intérieur. Et là, c'était parfait. La longueur est parfaite. La coupe, pour moi, est vraiment très très bien. Mais sachez que si vous êtes plus grand, il se peut que ce soit un peu court et un peu transparent aussi. Même malgré une doublure, ça reste quand même... Mettez-vous pas trop à contre-jour. Je mettrai peut-être une paire de cyclistes noirs à l'intérieur quand je vais porter cette robe. Parce que accident vite arrivé, Pierre Richard de la mode et du make-up, c'est moi. Donc voilà, somme toute, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette robe. Et je pense que c'est... Je deviens la personne qui aime bien porter des trucs saisonniers. Et je pense que ça, pour la période des fêtes ou la période des mariages, ça va être juste génial. J'ai comme mon rêve de Barbie féerie qui se réalise à chaque fois un petit peu plus. En termes de soutien-gorge, j'ai mis un soutien-gorge sans bretelles. Il m'en reste un. Donc j'ai mis ça. Voilà, donc agréable surprise. J'aime vraiment beaucoup beaucoup cette robe. Je mettrai évidemment tout en barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. Si vous posez des questions en termes de taille, je vous dirais de regarder la charte des tailles qui est avec chaque thème. Prenez une mensuration sur vous ou bien sur un vêtement que vous avez. C'est assez facile à faire. Il n'y a pas de science exacte en termes de... Si je taille du 50, tous les 3X vont m'aller. Si je taille du 48, tous les 1X vont m'aller. C'est vraiment très aléatoire et somme toute... J'aime bien ce magasin parce que ça me permet d'essayer de nouvelles affaires, de nouvelles coupes et tout, sans pour autant investir un rein à chaque fois, puis un petit peu renouveler ma garde-robe assez souvent. Je trouve que c'est sympa. Après, chacun son opinion sur le magasin. Voici la mienne, vous n'êtes vraiment pas obligé d'adhérer, mais j'aime beaucoup cette robe. Passons au prochain item. C'est un legging métallique. Et en général, enfin moi je suis un petit peu... format pomme d'amour sur un bâton. Mon physique c'est ça, comme tout mon centre est très rond et le reste est de taille normale. Je dirais que mes jambes sont pas énormes, énormes, enfin j'ai pas l'impression, je ne trouve pas. Chacun son opinion sur ce que, sur son image de soi-même, j'ai pas besoin. Si jamais tu es là pour me donner un conseil sur la mode, abstiens-toi, j'aime ce que je porte et si j'aime pas, j'arrête de le porter. Mais somme toute, c'est mes coups de cœur à moi ou mes déceptions, vous allez voir, n'hésitez pas. Mais je vous présente ce que j'aime acheter. Donc j'ai 40 ans et j'aime acheter un legging en métallique cuivré bronze. Je dirais que j'ai pris la taille 3X parce que j'avais peur que la 4X premièrement soit trop longue et trop large, parce que mes jambes sont pas larges à la base. Et il est parfait, il est juste parfait en termes de longueur, en termes de serré, en termes de la taille qui monte assez haut mais pas trop haut, ni quand tu vas t'asseoir ça va rouler. Je l'aime énormément ce legging. Alors du coup j'en ai pris un autre dans de prochaines commandes Shein. Moi ce que j'aime beaucoup avec ce magasin, c'est notamment les vêtements qui sortent un peu de l'ordinaire mais qui sont quand même très abordables, et beaucoup les accessoires, vous allez le voir par la suite. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur le groupe Riette et Makeup, le lien est en barre d'infos avec le mot de passe. Chaque jour je vous partage mes coups de cœur de la marque parce que ça fait plaisir et parce que je remplis mon panier et que souvent me demandez où est-ce que j'achète mes accessoires, c'est là-bas. Je partage pas tellement les vêtements parce que je ne sais pas comment ça va être, mais les accessoires en général on peut voir vite fait si ça va être sympa ou pas, et je préfère vous partager ça de toute façon. Donc
rejoignez-nous. Je sais que nous, on a un Shein, mais je sais qu'en France, c'est pas les mêmes trucs. Ou alors, vous pouvez... Je sais pas trop comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a 14 000 Shein. Je partage celui que, dans lequel j'achète, celui du Canada. Le shipping, en général, ça me prend 2 semaines après avoir passé commande. Je vous dirais qu'il y a toujours des codes promo qui traînent, toujours, toujours, toujours. Et j'achète toujours genre à moins 15 ou moins 20% de ma commande. Quand vous avez un compte chez eux, ils vous envoient des coupons tout le temps. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre d'important? Ne prenez pas le shipping express parce que ça peut vous causer des frais de douane. Moi, je prends jamais le shipping express, j'ai pas besoin d'avoir mes affaires en express. Et il y avait un autre truc à dire. Je sais plus, c'était ça je pense. Oui, ah oui, c'est ça je voulais dire, avec le Covid en ce moment. Moi je dis le Covid mais tout le monde dit la Covid. Ça prend un peu plus de temps, mais je ne suis pas très pressée. Donc ça fonctionne toujours, le site est en cours. Enfin que le legging, un très bon achat, je suis très contente. Ensuite, j'ai pris une robe que je voulais depuis tellement longtemps, que je voyais sur le site de Black Milk, je pense à l'époque. C'était eux qui avaient sorti ça, c'était une marque qui faisait pas de taille plus. Mais à chaque fois que je voyais cette robe imprimée mermaid métallique bleue, je la trouvais tellement jolie. Et là je l'ai trouvée, je l'ai pris en 4X je pense. Parce que c'était pas la marque Shein, si c'est la marque Shein pourtant. Moi j'ai pris 4X, elle est parfaite. En plus de ça... Petit plus dont je m'y attendais pas, c'est qu'il y a des trucs pour ajuster les bretelles. Je suis sortie de ma zone de confort puisque en général je ne porte pas de petites bretelles comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté d'en porter. Mais franchement je suis super contente. En plus ça laisse plein de place pour du body glow après. Et je trouve que ça fait vraiment très été. Et c'est pas... Je m'attendais aussi que le tissu soit du métallique collant qui te fait suer à l'intérieur et pas du tout, c'est une... Moi je trouve que c'est une bonne doublure, je trouve qu'elle est cool, elle est sympa et oh, elle est trop jolie, mais vraiment trop jolie, j'ai vraiment un coup de cœur. C'est une coupe un peu patineuse, gardez en tête quand vous regardez le try-on, c'est que je fais 1m55, donc il se peut que pour vous ce soit court, je n'ai aucune idée, mais vraiment j'ai adoré. Donc j'ai pris la plus grande taille, en plus de ça c'est stretch et je l'aime vraiment 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 beaucoup. Je suis super contente de cet achat là aussi. Ensuite, rien à voir, j'ai acheté ceci. Ça n'est pas une grenouille, on dirait une grenouille un petit peu, mais c'est des lèvres et je voulais le mettre ici. C'est un espèce de LED rouge qui fonctionne ou avec pile ou avec USB port. Et je trouvais ça très sympa et vraiment pas cher. Et on l'a allumé, elle est super jolie. Je sais pas combien de temps ça va tenir ou quoi, mais je voulais l'ajouter dans mon background. Et je trouvais que ça allait bien avec la chaîne et il est super joli. Je suis vraiment ravie. En termes d'accessoires pour cheveux, vous me demandez peut-être, mais Danisha, tu es retournée dans les 80, je vais vous dire, ouais. Mais moi dans les années 80 je ne pouvais pas porter ce truc, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Surtout le cône, est-ce que quelqu'un se rappelle du cône? Il ne tenait jamais dans mes cheveux, il tombait comme ça. Mais là il y a un élastique au bout. Et j'ai acheté un petit trio comme ça pour essayer. J'en veux 10 000 autres, c'est trop joli. Donc ça vient en trio comme ça, donc vous avez un élastique et vous avez le truc qui se ferme comme ça. Je trouve ça vraiment, mais vraiment génial, j'en veux... Plein d'autres, ça me fait penser à qui? Ça me fait penser à Rebecca dans Elite. Elle avait plein de trucs comme ça et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis trop contente d'avoir un party pony et mon accessoire de cheveux à l'intérieur. Je suis super contente. Ensuite, si vous êtes nouveau, bienvenue. Vous connaissez peut-être pas mon entour la poule de ceinture que je ne trouve pas à ma taille. Ce qui fait que j'en prends toujours deux pour les rallonger. Et j'aimais beaucoup cette ceinture vert fluo. Alors c'est une ceinture avec, vous savez, les... Attendez. C'est une ceinture avec un fermoir comme ceci. Que vous pouvez certes agrandir. Souvent c'est pas assez grand pour moi. Fait que j'en prends deux, je les clip et je les reclip après. Sinon tu peux recoudre un bout de tissu. Et je suis trop contente, j'adore cette couleur. Je trouve que ça va faire super joli avec mes outfits d'été. Et voilà, donc j'en ai pris deux parce que je me suis dit bah je sais pas, 8 x 2 c'est pas grave, 8 $ hein, 16 $ pour une ceinture, ça reste quand même très abordable, surtout quand t'as moins 15%, c'est cool. Restons dans le thème du fluo. J'ai pris, si vous ne connaissez pas, bienvenue, Team Serre-Tête.
c'est moi. Et serre-tête fluo encore plus. Lui, je sais que je l'avais partagé sur le groupe. Je vous montre. Et ils sont juste trop, trop. Je les adore. Je vous vois pas un exemple. Super fan, j'adore, je suis trop 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 contente. Voilà, et puis ensuite en termes de bijoux, ça je les avais achetés chez eux il y a très longtemps, je me suis un petit peu gâtée. J'avais trouvé un set de, ça coûtait 11$ et dedans il y avait genre 7 paires de boucles d'oreilles en perles. Je me suis dit tiens c'est cool, c'est la tendance, il y avait plein de boucles d'oreilles qui me tentaient en anneaux avec des perles, dont celle-ci qui était magnifique. Mais surtout bon, il y avait celle-ci, celle-ci. Je trouve qu'elles sont assez variées mais toujours en thème de perles parce que c'est très tendance cet été. Mais celle qui me fait craquer c'était celle-ci, je les aime bien. Et il est super grande. Voilà, si vous avez, si vous aimez les perles, si vous avez, connaissez quelqu'un qui aime les perles, ça peut valoir la peine. Moi franchement je suis super fan, j'adore. J'avais envie de me lancer dans la tendance perles. Pourtant je suis pas une fan de perles à la base, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me dit anneau plus perles, c'était original. Moi je vois qu'il y a un anneau avec un espèce de twist à l'intérieur de toute façon. Et aussi j'ai trouvé plein de petites boucles d'oreilles à motif sympa, dont celui-ci, motif fusée à petite pierre, que j'aime énormément. Et j'ai trouvé aussi d'autres anneaux plus petit cette fois-ci, mais une espèce de marbré dessus. Comment on appelle ça? Je sais pas. Nacre. Et je trouvais que c'était tout allé. Alors, bon, ça aurait été 10 fois mieux s'il y avait de l'autre côté, mais bon, il y en a au moins d'un côté. Et deux côtés, ça fonctionne. Ça m'est déjà arrivé de regarder des trucs sur Shein où il y avait qu'un côté qui fonctionnait et de l'autre côté, c'était pas la même chose. Donc, vérifiez bien avant d'acheter, s'il vous plaît. Passez tout au crible, les photos et tout. En fait, des gros plans. Des fois ça peut être un petit peu surprenant quand vous les recevez à la maison. Surtout en termes de taille, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Mais souvent les gens postent des photos de leurs achats aussi sur le site et ça peut aider. Donc elles, je savais qu'elles étaient petites mais j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'était un peu chic. Parce que pas trop mon esthétique. Mais je sais pas. C'était dit que je suis la Barbie fée. Alors là j'ai 4 paires de boucles d'oreilles. Illusité, je trouve. J'ai pris des petites abeilles en espèce de perles et pierres. Je trouvais qu'elles étaient cute. Je les ai toutes prises parce que je les trouvais cute. J'ai pris les petits pois. Ils sont pas cute. Ça arrive sans problème. Il n'y a pas de pierres qui manquent. Des fois, il y a des pierres qui manquent. Regardez à l'intérieur de votre sac. Elle se trouve peut-être dedans, ça se peut, hein. Ça se peut, ça, c'est déjà arrivé. J'ai aussi pris des petites glaces. Est-ce qu'on va les voir ou bien? Allez, montre-toi, petite glace. Et puis, des petits fantômes en perles. Ils sont pas trop cute. Oh, je les adore tellement. Voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de modèles inspirés de la marque Bubble Bar, mais 14 fois moins cher. Donc, je me dis, tant qu'à faire, je vais prendre cela. Hein. Ça va me faire un petit peu moins mal parce que ça reste quand même de la fantaisie que tu peux changer souvent et tout. Et vraiment, je suis trop, trop, trop contente. J'ai d'autres commandes qui arrivent. Et si ça vous tente d'en voir d'autres, mettez un thumbs up. Dites-le-moi dans les commentaires. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Mais merci d'être resté avec moi. Allez, vous êtes là demain? Moi, oui. Bye!